Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la découverte du roublard. Donc en Coliseum, c'est parti. Alors, je vais poser mes petites bombes. On va mettre ça ici. On va faire, je sais pas trop si ce serait vraiment bénéfique que je me mette. Ouais, si, on va quand même y aller. On va rester ici. Alors du coup c'est Leka qui joue après. Il peut quand même avancer bien. Je vais quand même avancer, je vais pas rester là. Tac. Colis comme ça. Hop, bonsoir tout le monde. Alors je dis bonsoir tout le monde. C'est cool le sac entre TPM, ça peut être vraiment pratique. Alors on se retrouve contre un Eni 160 en 10-5, un Eni 156 en 9-5 et un Eka. Je sais pas trop en quel stuff il est. Ouh, pas mal hein. Il rocks vraiment beaucoup. Attendez, on va juste voir. Attendez qu'il passe son tour. Il est level 148. Donc en 10-6. C'est possible qu'il ait une chaîne mou. Je pense que sa cape c'est une chaîne mou. Oui, donc ça doit être ça. Donc c'est assez sympa. Et on a un EK badass. Badass. Qui est en 12-6 il me semble. Il fait sa roulette après. Ce qui est dommage. Il a pas l'air de roxer des masses quand même, mais bon, pourquoi pas. Et on est avec un Nénu, 10-5, 2278 de vie, donc c'est assez dommage pour la Vita. Enfin, ce qui est pas énorme, quoi, c'est ce que je veux dire. Lui, il va aller donner les PA là. Voilà. Ce qui est normal, d'ailleurs. Hein. On aura la corrupte, ça, c'est vraiment utile. On peut avoir un petit sac, c'est vraiment cool. Il y a pas mal de choses qui peuvent être sympas dans notre synergie. Eka, ça soigne très bien, c'est assez cheaté. Surtout qu'il a l'air assez optimisé et de bonne res, donc ça peut être sympa. L'Enu, lui, il peut nous accéder, il peut poser un sac, peut faire des retraites anticipées. Alors, la grande question, c'est... J'ai entendu aujourd'hui que le bug des bombes avait été changé, mais j'en doute fortement. Donc, on va pouvoir tester ça tout de suite. Ouais. Mais si je me mets là, je peux aller poser la bombe. Alors, ça c'est cool. Plus de PO sur Steny là. Ça c'est vraiment sympa. Il pourrait nous mettre un sac, je pense. Alors si on commence à taper tout le monde en même temps, je pense que ça va être moyen. Non, pas de sac. Il joue pas le sac. Alors Lenny, lui, va se debuff. Il va se debuff la PO, hein, ce qui est vraiment bien. Il va donner des PA? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Ils avaient déjà les PA, quoi. Ouais, ça booste le Lapino, quoi. Le Lapino. Donc ça leur fait double Lapino. Ouh, sympa, là. Alors, je sais pas si je l'ai, là-bas, mais je pense que oui. Tac. Zut. Double PM, donc assez sympa. Je pense que je les ai, ouais. Voilà. Tac. Cool. Cool, cool, cool. Et encore double PM. Ça gère, en plus le bug est corrigé. Oui. J'ai l'impression de revivre là. Ça paraît idiot comme ça, mais c'est vrai. C'est vraiment cool. Alors, est-ce qu'il va venir me roxer mes bombes? On va voir. On va voir ça tout de suite. J'ai mis de l'érosion en plus, donc c'est cool sur l'Eni et le... Je pense qu'il va tuer ma bombe, là. Celle-ci. Allez, rémission. Hein. Ah oui, le nouveau félincion, c'est vrai. Effectivement. Donc, pas grand-chose au niveau du dégât. Roulette 55, retrait PA. Avec le petit bug de la bombe qui change pas vraiment. Quand on la pousse en décalé... Alors, avec les steamers, ça a toujours fait ça. Allez, une petite roulette de PA, ça c'est nickel. Il va peut-être pouvoir roxer, voilà. Avec le rebours, c'est pas énorme hein, quand même, les dégâts qu'il fait. Bon, la fin du Lapino. Il pourrait invoquer un chaton, je pense. Pour aller les bloquer. Je pense que ce serait une très très bonne idée. Non, même pas. Il préfère faire un félincion pour décaler l'ennemi. Que là, je vais me faire démonter. Ouais, ça rock ça. J'ai du 11% et du 20 fixe. Ouais, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal.
Ça picote, ça picote. Moi, je vais pouvoir faire une petite fusion de murs là. Je pense qu'avec un dernier souffle, je vais quasi finir les nids. Ouais, je pense qu'il y a moyen que je quasi finisse, ouais. Ouais. Allez, on va dire oui. Ouais, je pense qu'il y a moyen que je le finisse, ouais. Je vais faire un petit dernier souffle et ouais, je pense. Allô? Enu, si tu veux pas que je meure. Ok. Bon, bah pas grave. Ça fera un tour. Sympa. Bon, il va me caquer. Il va quasiment me finir, je pense. Hein. Ouais, voilà. J'avais raison. Un coup de cac. Oula, non, ça c'est pas terrible par contre. Bon, alors, écoutez. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Alors, je vais plutôt faire ça. Ça. Alors je vais juste me mettre en fait là. Tac, voilà, là ça leur fera du bien un petit peu. Et je pourrais me mettre à loin d'eux. Voilà. Toujours le bub. Non, non. Non, non. Elle fait la samba, la samba, la samba. Michel, c'est le Brésil, il danse la samba. Oh mon dieu, cette bombe. Ah, mais il veut vraiment les écarter. Ah, bah tiens, en voilà une autre. Une autre bombe qui fait la samba. Michel, c'est le Brésil. Il danse la samba. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Là, on a du PM. Nickel. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué de la part de l'EK. Alors, il faudrait pas qu'il m'embête. Ah, j'aurais plus fait un chaton, moi. Ah, si, c'est bon, parfait. Level 1? Ah non, level 6, il a pas beaucoup de PM. Ah, il a esquivé la perte. Dommage. Bon, là, ils vont me chercher, hein. Ils vont me chercher. De toute façon, ils ont pas trop le choix. Tuer les bombes. Waouh, le ROX de dingue! Oh mon dieu. Oui! Alors, est-ce que les nus va jouer ou pas? Bref. Je pense que ça va être très difficile. Je pense que je vais quasiment mourir. Ah, les nus. D'accord. Bon, bah ok. Ah non, je ne suis pas là. Non plus. Par contre, là, je vais lui faire mal, hein. Je vais quasiment le finir. Je pense qu'il y a moyen. S'il tue pas. S'il tue pas ma bombe. Alors, attendez. Que je calcule. Alors, kaboum. Boum. Ah! Ah, dommage. Ah, j'aurai dernier souffle. Ah! Il va me finir là, de toute façon, les gars.
Il va soin, peut-être. En tout cas, il me finit, c'est sûr, mais. Attention, top cage à 800 000. Waouh, le soin! Je sais pas si je vais mourir, hein, je pense, mais je sais pas trop. Ah, il la chance aussi! Bon, bah, même chose sur moi, hein. Du coup, ça va être comparable. Oui. Ah, il a quand même pris. Mais ils font exprès ou Je sais pas, je pense qu'ils font exprès, mais Et le chaton, il veut pas se mettre là pour le bloquer? Je pense qu'ils font tous exprès, je pense. Bon, c'est pas grave. Oui, enfin. C'était vraiment n'importe quoi ce combat. Alors, Lénu qui fait des lancers de pièces sur Lenny. Assez violent. Ah, rien en fait. Il rock ça, rien du tout. Bon là il va me finir sans trop de soucis. Il se recon, évidemment. Et il me finit. Il me finit. Les cas qui va pouvoir roxer. En tout cas, ça vous permet de voir un petit peu les colis que je me tape des fois, parce que c'est vraiment violent. C'est quand même assez honteux des fois. Là, il se prend les doubles normalement. Ouais, dommage subi x2. Ah, il prend, il rock ce TK. Il fait bien plaisir. Lui, il rock sa que dalle, le badass là. Il a l'air minimum petit au niveau du stuff en 12-6, mais par contre. Et puis il a oublié les résistances PA. Hein. Vous voyez ce qu'il fait. Hein. On va voir s'il rocks lui là. J'espère qu'il va le roxer quand même. S'il rocks pas les nids là, je comprends pas comment il joue. Hein. Alors, du bluff à 388. 418 et 426, ce qui est pas mal. Pas exceptionnel, mais pas mal. Pas mal, pas mal. En plus, il peut pas se soin, Lenny. Donc, y a moyen que ça soit sympa. Qu'il puisse mourir. Ah, la preuve. Bien joué, la preuve. Bah, de toute façon, comme il m'a pas soin et qu'il s'est foutu de moi, les cas, il s'est barré à l'autre bout du monde. Il aurait pu juste Odora et c'était fini. Bah, il peut pas. Hein. Il peut pas même avec. Enfin, je pense qu'il traverse pas la preuve. Hein. Au moins là, on les voit hein, les joueurs qui jouent esquive PM au lieu de jouer esquive PA. Ils ont une roulette. Il y a une roulette retrait pair? Ouais, voilà. Forcément. Dangereux contre les Ennis. Hein. Ennis, ça retire bien les PA. Hein. C'est sympa, plutôt sympa. Je pense que les nus ils parlent pas français. Ou alors il nous troll. Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est très agréable de voir un combat de colis comme ça. Il a passé 2 tours sur 4. Enfin, sur 5. Et le reste du temps, il faisait l'inverse de ce qu'on lui disait de faire. Donc, ça, c'est cool. C'est agréable. Alors, l'Eka qui va mourir, je pense. Ou pas loin, du moins. Et si les cas jouent. Ah, mot de silence, ça c'est bien ça. Il a esquivé 2 paires alors qu'il a 50 de retrait et 0 d'esquive. Dofus logique. Alors lui il va faire très mal, je pense.
Ça va être très sympa. On a vu un Ekafeu quand même level 148 qui rocks du pâté. Allez, fais-nous des top cash de malade à 800. Ah non, ils sont un. Mais ils sont un sur un recon. Parfait. Très très bien. On a l'abandon de Bob Drop. Donc voilà, c'était un magnifique colis. Un rush kit. Je pense pas que ça s'appelle un rush kit. Non, je ne pense pas que ce soit un rush kit, mais c'était marrant. C'est pas un rush kit. Un rush kit, c'est tu rages vraiment de. Que le combat est horrible, alors que là, on gérait sans souci. C'était ça la différence. C'est quand même shit les Eka. Hein. Faut l'avouer. Il va pas taper sous chance quand même. Non, tape pas sous chance, s'il te plaît. Non, ça va. Tu as enlevé des PA, voilà, ça c'est bien. Ouais, cool. Il est bien Stormy là. Il est pas mauvais du tout. Il a bien joué, pas fait d'erreur. Les cas, en fait, les joueurs en face ont fait des erreurs, mais les gars, il a quand même soin sur du recon. Mais globalement, ça allait quoi. Ah, si, lui, par contre, voilà, il tape sur du chance quoi. Bien, tape encore. Bien, bien, bien. Pour ceux qui ne savent pas, la chance soigne tout le temps au premier tour, par contre, double le rocks au deuxième tour. Donc, ça, c'est quand même très très mal joué quoi. On va voir si Steka tape aussi dessus, sans dommage de pousser. Odora peut-être. Tu pourras aller vers lui. Voilà, parfait. Va te coller à lui. Il met une kawotte derrière toi. Ouh. Beaucoup de soins. Beaucoup de soins. Bon là voilà, dommage subi x2. 450 force, pas mal. Ça pourrait être sympa là. Tirox force. Boum, avec les 100 dommages poussés là. Il a la roulette 100 dommages poussés plus 450 force. Il pourrait lui le faire encore là. Ah mais il a plus de PA. Ça marche moins bien déjà. ouais bon là tu te fais forcément avoir de toute façon. Là en dommage subi x2, pas hésiter là. Hein. En avant le Rooks. Tac. Boum. Boum. Voilà. Là, ça marche plus tout de suite. Hein. Ah, voilà, parfait. Il joue bien, Stanny Stormiller. Je pense que c'est celui qui a le mieux joué dans la partie. Je vote pour. Allez, le petit GG. La petite GG. Et le Rox à 800. Et 842. Bon, et ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Quand Karik voudra bien le tuer. Je vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures, excusez-moi. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu ce que c'est du colis avec des gens plutôt mauvais, en tout cas, on peut le dire comme ça. Allez, ciao tout le monde, je vous aime, bye bye.